Je m'appelle Jean-Pierre Bastier. Donc, je suis venu sur l'invitation de Abdou pour former un groupe d'animateurs en Tunisie. Actuellement, je suis formateur en France, formateur fédéral. Et je suis également entraîneur du club de Hawa, surtout orienté vers la compétition. Donc, ça a été une de mes motivations supplémentaires pour venir. C'est d'essayer d'apporter mon expérience en tant qu'entraîneur, encadrant, en l'occurrence sur la compétition. Donc, j'ai essayé pendant ces quelques jours d'insister un peu plus sur la partie encadrement, l'importance de la capacité, du savoir-faire au niveau de l'entraînement, tant sur des connaissances théoriques, le fonctionnement du corps humain, comment on se comporte par rapport à un effort, que sur des aspects de sécurité, de gestion de groupe. Et je pense que une des raisons pour laquelle j'étais très motivé de venir, c'est de vraiment transmettre mon savoir-faire sur ce sujet, à savoir la réussite du Longe-Côte et des équipes, c'est non seulement lié à la volonté de chacun, mais aussi à la qualité de l'encadrement, comment on va être capable d'amener un soutien, une écoute et une qualité, tant sur le plan technique que sur le plan physique. Et voilà, j'ai essayé dans la mesure du possible d'amener cette compétence, de la partager. Et j'espère dans l'avenir que cette formation aura le succès, que ça vous aidera tous les clubs, tous les groupes à progresser. Et qu'en retour, d'ici quelques mois, quelques années, votre expérience, vous pourrez la partager à l'inverse. Et qu'on aura le bénéfice et une approche win-win, comme on dit en anglais. S'apporter, partager, voilà. Et j'espère que dans l'avenir, ce sera encore plus positif, il y aura plus de monde, qu'il y aura un essor qui profitera à tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Olivia Riola, je viens de Corse, je suis formatrice pour être animateur de Longe-Côte, pour former les gens au Longe-Côte. Donc l'intérêt de développer le Longe-Côte dans votre beau pays, c'est d'agrandir à l'international, de travailler avec des jeunes, de travailler avec des gens qui sont très motivés, et puis d'échanger au niveau culturel et sportif cette belle discipline. Donc. Bonjour, je m'appelle Lazema Abdelrahman, Abdo pour les intimes. Je suis de Bizerte et j'habite Marseille. Je suis passionné par le Longe-Côte et j'ai amené cette discipline en Tunisie avec Neji Ben Issa en 2014. Et on a développé officiellement 7 clubs et officieusement on a 15 clubs. Voilà. Donc je suis le président du club du collectif Longe-Côte Méditerranée qui englobe 55 clubs. 55 clubs. Et nous, notre but, c'est de promouvoir le Longe-Côte, la marche aquatique, partout autour de la Méditerranée. Et maintenant, on se développe vers l'international. Donc, on devient un club international avec une commission internationale dont la présidente est Alison Wave, alias Sophie Chipan. Et moi, je suis le vice-président de cette commission. Je me présente, je suis Alain Buffard. Je suis président de la formation au Comité national de Longe-Côte. Je suis également président de la formation d'une région qui s'appelle PACA. Et aujourd'hui, avec toute l'équipe de formateurs qui sont arrivés pour cette première formation tunisienne, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir être les premiers, c'est entendu, mais surtout d'avoir bénéficié d'une équipe particulièrement motivée, prête à vraiment faire développer cette activité au niveau de la Tunisie. Et là-dessus, nous sommes tout à fait rassurés de la suite des événements. Maintenant, au niveau de la fédération, nous allons tout faire pour développer au niveau international cette activité. Et vous-même qui avez été formé aujourd'hui, vous deviendrez peut-être, voire même certainement, les animateurs futurs ou les formateurs futurs de cette discipline. Dès l'instant où la fédération de sport tunisien aura mis en place ou accepté cette discipline au niveau de toutes les disciplines tunisiennes. Maintenant, le contexte, c'est que nous avons été particulièrement bien reçus
grâce à l'accueil, entre autres, d'Abdou, qui a su motiver une équipe de participants particulièrement intéressante. Et en plus, l'accueil des Tunisiens a été fantastique pour nous. Nous avons retenu une chose essentielle, c'est que vous apprenez, non pas pour vous, mais pour transmettre tout ce que vous savez. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, l'avenir, eh bien, c'est toujours le but de faire développer cette activité. Vous, de votre côté, nous, Fédération, pour vous aider dans cette démarche. Et puis, eh bien, vous remercier en attendant de tout ce qui a été fait pendant ces 3 jours, voire 4 jours.